Bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je la démarre ultra rapidement parce qu'il vient de se passer un truc de fou. Pour ceux qui savent, on est parti en vacances pendant quelques jours. Lily Rose elle est partie de son côté, moi je suis parti de mon côté, on s'est pas vu pendant plusieurs jours. Et là je rentre à la maison, on n'est pas très loin de chez nous et regardez ce que je vois. Regardez, là je viens de rentrer, je marche dans les rues comme ça, voilà. J'ai même pas mon téléphone, j'ai rien pris, regardez ce que je vois. Un truc, une affiche avec écrit disparu Lily Rose. Et c'est bien la photo de Lily Rose, donc on peut pas se tromper, c'est une photo d'elle comme ça qu'on avait posté peut-être sur Instagram, un truc comme ça. Et je sais pas ce qui se passe, et je savais pas qu'elle avait disparu en fait. Lily Rose, elle était censée rentrer hier, et apparemment il y a déjà des gens qui ont mis des affiches comme ça. Donc je sais pas s'ils ont mis... attendez, je vais essayer de la détacher. C'est bien scotché quand même. Il n'y a aucun numéro de téléphone, il n'y a rien. Bon les amis, là je vais essayer de rentrer chez nous. Et en plus je dois encore marcher 10 minutes, je suis un peu perturbé. Et je vais essayer de voir ce qui est en train de se passer, si c'est Peppa Pink qui a mis les affiches. Mais là je sais pas du tout ce qui se passe. Il n'y en a pas ici? Non, il n'y en a pas ailleurs, je sais pas. Les amis, je suis encore en train de chercher. Bon désolé, je démarre la vidéo vraiment n'importe comment. J'ai la tête n'importe comment. Et regardez, voilà. Voilà, sur les pare-brises des voitures comme ça, et c'est pas la première, hein. Il y en a aussi là-bas, etc. Il y en a pas mal, mais là je vous la montre. Encore un truc, une petite affichette comme ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me dépêcher encore plus de rentrer chez nous, et je prends les affichettes comme ça parce que... En vrai, ça a l'air d'une blague, mais ça tombe, je ferais bien de les laisser, hein, parce que si elle a vraiment disparu comme ça, je pourrais prévenir les gens. Bon allez, les amis, j'ai pas de temps, je vais y aller direct. Non mais regardez-moi ça, quoi. C'est quoi ce gros délire? Lily Rose, ça s'est bien passé les vacances? Bah, t'es où Lily Rose? Mais c'est quoi tout ça à terre là? Elle a laissé ses popites ici? Mais comment ça se fait? Les petits sont rien rangés? Moi j'en ai assez, hein. Lily Rose, t'es où? Elle m'avait dit qu'elle rentrait aujourd'hui pourtant. J'espère qu'il y aura quelqu'un ici. Peppa Pink! De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est là, c'est bon. Peppa Pink! Oui. Lily Rose, elle est bien avec toi là? Bah justement, je la cherche, regarde, je suis rentré, je lui ai demandé comment ça allait pour savoir. Hein. Attends, comment ça? Tu bah, la regarde, cherches aussi? Bah oui, je la cherche, je suis rentré dans sa chambre. C'est quoi tout ça par terre là? Oh, même le coffre-fort, il est ouvert! Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, tous ces popites, ils étaient à terre. Et c'est toi qui a... Bah non, c'est pas moi. C'est toi qui a déposé ça dans la rue? Comment ça? Disparu, Lily Rose? C'est pas toi? C'est toi, non? Mais non, c'est pas moi du tout! Non, arrête, c'est un prank là, Sébastien! Non, mais qu'est-ce que c'est, ça Peppa Pink? Qu'est-ce que ça veut dire? Disparu, Lily Rose. Non, mais attends, elle était censée revenir quand là, hier? Bah oui, bien sûr! Mais elle est revenue, tu l'as vue depuis hier ou pas? Bah non, Esteban, je l'ai pas revue! Mais il a dû se passer quelque chose là, c'est sûr et certain! Moi je pensais qu'elle était revenue! Oh là là, mais comment on va faire là? Et là, regarde sa chambre! Elle était censée rester toute seule depuis hier ici! Attends, mais regarde, j'ai trouvé ça dans la rue, il y en a plein! Il y en a plein dans la rue, attends, et où ça, dans quelle rue? Mais partout, sur les panneaux, sur les voitures, il y en a même sur les, comment on appelle ça, là, les portes, etc. Bah écoute, elle était partie avec ses copines et tout en vacances. Attends, tu l'avais laissée partir toute seule avec ses copines en vacances? Non, avec les parents de ses copines. Oh là là, oh, mince, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Allô? 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 C'est pour Lily Rose que vous appelez? Eh oh! Attends, mais ça m'a juste dit un truc, ça m'a dit suivez les flèches. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle flèche? Mais je sais pas de quoi elle parle. Mais ça veut dire quoi suivez les flèches? Bon, Peppa Pig, on va ressortir parce que là il faut. T'as vu ça dehors? Bah attends, si c'est dehors, tant pis, on va suivre l'enquête. Bien, suis-moi parce que c'est pas normal. Vas-y. Bon, là les amis, ce qui est en train de se passer, c'est que Peppa Pink, à mon avis, il a rien compris. Lily Rose, elle est partie en vacances avec ses copines. Et à mon avis, il n'y a pas de parents de ses copines ou quoi. Elle a bien eu Peppa Pink et elles sont parties comme ça. Mais ça explique pas, parce que même si elles sont pas revenues de vacances, pourquoi il y a des trucs partout dans la rue comme ça? C'est trop bizarre. Bon, en tout cas, on va ressortir, on va aller récupérer ces papiers, là, trop bizarre, sinon les gens ils vont commencer à s'inquiéter, et si on voit des flèches, on va les suivre. Parce qu'il faut retrouver Lily Rose. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, là? Mais Stéphane, qu'est-ce que tu fais? J'arrive! Là les amis, c'est parti, on est sur le chemin. Oui, c'est souvent passé des trucs dans nos vidéos. Attends. C'est une blague ou quoi? Regarde. De quoi c'est une blague? Regarde. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Justement, vas-y, prends-le. Mais il y en a encore une, des affiches. Mais c'est au moins la dixième que je vois. Mais tu l'as vu où? Mais en plus, regardez, c'était sur une machine à laver là. Non, mais c'est quoi ça? Bon, allez, vas-y, on avance, non, on avance. Parce que c'est n'importe quoi, il faut. Au pire, on suit les affiches. Ça tombe. Dans le meilleur des cas, c'est un prank. Regarde, Esteban, non! Lily Rose. Une flèche avec écrit Lily Rose.
Ah, au moins, attends, la flèche pointe par là. Bon, allez, on va par là. Vas-y, prends la flèche, on est sur la bonne route au moins. Ici, non. Mais il n'y a pas de flèche ici. Non, aucune flèche. Allez, vite, on avance. Eh oh, Lily Rose. Lily Rose, t'es où? Parce que là, c'est la catastrophe. J'espère que c'est elle qui nous fait un jeu de piste et tout. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Allez, vite, dépêche-toi là. Moi, je suis épuisé déjà, ça fait une heure que je cherche. Voilà, je cherche encore, regardez, il y a plein de jardins, en même temps il y a plein de trucs compliqués. Là dans les herbes et tout. Attends, et encore un. Attends, ça c'en est un. C'en est un ce truc. Attends, il écrit quoi? C'est là-bas. Attendez, j'arrive même pas à le prendre. C'est là-bas. Mais c'était pointé vers le ciel comme ça. C'est n'importe quoi, il n'y a quoi, rien. C'est là-bas. Lily Rose, t'es dans l'arbre? Lily Rose. Eh oh, t'es dans l'arbre? Non mais elle est peut-être là-bas là. Non mais je peux pas descendre là, c'est du marécage. Il y a plein d'eau et tout. Oh, comment on va faire là pour la récupérer? Je sais pas où est-ce qu'elle s'est embarquée. Attends. Non, encore un. Et la flèche, elle a peut-être bougé avec le vent, non? Ouais, la flèche, elle a peut-être bougé avec le vent en plus. Vas-y. Ça nous indiquait. Prends là, il y a encore une affiche. C'est la combientième là? Ça doit être la 11e, 12e qu'on trouve. Je sais même pas. Allez, vite, dépêche-toi. Lily Rose. C'est par ici. Attends, peut-être par là. Hein. La flèche, elle nous indiquait d'aller par là. Ouais, la flèche, non, mais la flèche, elle indiquait rien du tout, elle indiquait l'arbre. À mon avis, avec le vent, elle a dû bouger. On y va. À mon avis, c'est par là. On va essayer de retrouver des flèches. De toute façon, on a que ça comme piste. Le gars au téléphone, il nous a demandé ça. Allez, c'est parti. Peut-être dans l'arbre, encore une fois. Non, il y a rien du tout. Là, on a trouvé comme une forme de tunnel, comme ça. Et on cherche un peu n'importe où, de chez n'importe où, parce qu'on trouve rien. Et on a essayé d'analyser un petit peu les affiches. De quoi, t'as vu encore un truc? Encore une flèche, c'est encore vrai. Une flèche, ok, d'accord. Regarde, attends, stop, bouge pas, sinon on va plus savoir vers où elle pointe. Regarde, elle pointe par là. Ah, ok, on se moque de nous, là. Oh, putain, attends, aller voir. Non, mais va pas dans le tunnel comme ça. Attends. Mais pourquoi tu... Non, mais le gars, il se met en canard comme ça. Il y a peut-être des avis, le canard. Attendez, on va rentrer. J'étais en train de vous dire un truc en plus. Ah, vas-y, mais c'est quoi ici? Ça passe par là. Mais c'est horrible ici. Bon, attends, je parle aux abonnés. Qu'est-ce que tu fais, Peppa Pink? Allez, vas-y, pars. Oui, va. Oh là là, les amis, je comprends rien. Donc, j'étais en train de vous dire, on a regardé les affiches comme ça plus en détail. On n'a vu aucun indice, sauf que la photo, c'est une photo de Lily Rose en vacances. Et c'est une vidéo qu'on avait fait avant de partir en vacances où Lily Rose, elle faisait semblant de partir toute seule et tout. Donc, c'est le thème des vacances. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça. Et en plus, Lily Rose, on dirait qu'elle fait salut sur la photo. Donc ça tombe, ça veut dire qu'elle est partie en vacances sans nous et qu'elle se moque de nous. Avant de partir, elle a fait un jeu de piste comme ça, elle nous a fait un piège. J'en sais rien. T'as récupéré la flèche ou pas? Non. Non, elle est encore là-bas. Mais attends, j'arrive. À mon avis, elle se moque de nous parce que ça mène nulle part. Attends, vas-y, on cherche d'autres flèches. Elle nous fait passer par les pires endroits. Allez, vite, avance. Attends, je vais les récupérer. On va aller par là. Non, mais la flèche, elle faisait ça. Moi, je passe par là, je veux finir ce truc. Là, on a changé un petit peu d'endroit, on a changé un petit peu de rue. On était tout là-bas, au fond, tout à l'heure. Et regardez ce qu'on a trouvé. Bon, maintenant, on vous filme pas tout, parce que bon, on n'arrête pas de récupérer des affiches. On les récupère même plus, parce que on en a vu 10 tout à l'heure, 10, 15, 20, infernal le truc. Et regardez ce qu'on voit, là, on a démarré la caméra, parce qu'on voit le début d'un numéro de téléphone avec une flèche. Et à mon avis, en avançant en ligne droite, quoi. À mon avis, il y aura une autre flèche avec le reste du numéro, non? Ouais, sauf que moi j'ai une idée. Tu vois, si c'est Lily Rose qui nous fait un piège, je vais taper le début du numéro dans mon téléphone. Ah, et à mon avis, c'est quelqu'un qu'on connaît. Tu vois, donc regarde, attends. Je vais taper 0691. Non, c'est pas possible. C'est qui? À ton avis, devine qui c'est 0691? Bah écoute, vas-y. Je peux pas te dire, sérieux. Non, mais t'es bizarre là. C'est toi qui as organisé tout ça ou pas? Non, c'est pas moi, pourquoi? Parce que 0691, c'est la copine de Lily Rose. C'est sa meilleure amie. Allez. Son numéro, il commence par ce truc là. Ça veut dire qu'ils ont organisé ça ensemble et que là, ils sont repartis ensemble, elles sont reparties comme ça. Et t'as pas d'autres numéros qui commencent par 0691? Non, parce qu'attends, je vais regarder. Y a que elle. Du coup, ça veut dire que Lily Rose, elle est partie avec son amie toute seule comme ça et qu'elle nous a prankés. Et pour qu'on perde du temps, elle nous a fait sortir de la maison. Comme ça, pendant ce temps-là, elle peut préparer sa valise et elle peut partir toute seule. Et en vrai, elle a dû se cacher au grenier pendant que toi, tu rangeais sa chambre ou pendant que tu voulais la voir. Ouais, mais si on l'appelle là maintenant, comment tu crois qu'elle va réagir? Elle doit être déjà dans le train ou dans l'avion. Bon, c'est pas grave les amis, ce qu'on va faire c'est que on va partir, on va re-rentrer à la maison. Vas-y, prends la flèche, on a toutes les preuves. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on y va par là. On essaye pas de trouver non, on essaie pas de trouver, c'est sûr que c'est un prank qu'elle nous a eu. Mais oui,
Bon. C'est bon, on est rentrés, les amis. J'ai envoyé un message à la copine de Lily Rose et j'ai eu une réponse. Effectivement, ils ont voulu nous avoir. Ils ont voulu partir encore en vacances parce que là, ça faisait déjà une semaine et demie qu'ils étaient partis. Elles se sont dit, ouais, on va partir encore pour 3 semaines. D'ailleurs, je dis elle alors que c'est il parce qu'il y a aussi des garçons. Elles sont parties, ils sont partis tous ensemble comme ça avec quasiment toute la classe. Donc les amis, on va vous laisser, on va aller récupérer Lily Rose parce que en plus elle a tout laissé en bazar en voulant prendre des affaires. Et on se dit à demain, à la prochaine, bye. Bye, et n'oubliez pas d'écouter le notre petit clip. Notre ça va et vous? Ça va, ça va. Il apparaît là. Il apparaît là ou là. Bye bye.